événement sur A plus y voir. Action. Bon, les coups de la vie, comme j'aime bien le dire, ce sont des coups qu'on reçoit et qu'on a envie de partager avec d'autres personnes. C'est déjà un best-seller au niveau de l'ouvrage. C'est basé sur des histoires en fait assez mystiques, la famille, sur les amis, le maraboutage, sur différents thèmes mais qui peuvent aller très très loin. Mais quel homme ici à Abidjan prendrait une femme stérile? Je fais du social. Merde. La particularité des coups de la vie, c'est que chaque histoire a 5 épisodes. Et chaque histoire a 5 décors. 5 distributions différentes. Le pic pour nous a été 70 personnes mobilisées sur le plateau. Sinon, on oxyde en général à peu près à 30 personnes par jour qu'il faut gérer. 5 environnements différents. Une vingtaine de décors. Donc, il faut les multiplier par 21 histoires pour voir qu'on est, on est facilement à près de 200 décors. Je pense que c'est ce qui va dynamiser ce programme. Et mon épouse? D'après elle, elle est partie courir. Elle n'a qu'à laver ses habits une seule fois la main. Elle va voir si c'est passeport. Non. Ambre est un peu persécutée par sa belle famille. Vous savez, en Afrique, hein, quand deux personnes se marient et qu'il n'y a pas d'enfant, tout de suite, c'est la femme qui est vue. Ce sont des faits que certaines personnes ont vécu. Ça nous permet de mieux nous orienter dans la vie. C'est vraiment ça que je veux qu'on retienne des coups de la vie. Salut, c'est Maggie dans Baba Dongo. Je me nomme Oko. Et le docteur Kay. C'est Ambre Johnson. Alors, je vous invite à regarder votre série préférée. C'est qui m'a fait subir dans le film, mais ce que je lui ai montré aussi. Dès ce 4 novembre. Sur A+, dans votre série Les coups de la vie. Découvrez votre nouvelle série création, Les coups de la vie, à partir du 4 novembre, à 15h sur A+, Ivoire. A+, Ivoire, toujours plus proche.